C'est ici, dans ces bureaux au siège de Boulogne-Billancourt, que les collections Monoprix commencent leur histoire. Mais avant d'arriver en magasin, un long chemin débute, impliquant de nombreuses équipes, à commencer par les bureaux de style. Mais au fait, c'est quoi être styliste chez Monoprix ? C'est une éponge à air du temps. C'est choper un peu tout, enfin tout. Alors la nourriture, elle vient de tout. Elle vient des voyages, elle vient d'une belle lecture, elle vient d'une expo, elle vient de sensations couleurs, d'odeurs. C'est vraiment tellement lié en fait au quotidien. Vous n'êtes jamais au repos. Hein. C'est sur le qui-vive tout le temps. Regardez puis aimez. Des expositions, un film, un livre, tout est bon pour... Moi je dis souvent que notre métier c'est comme un cuisinier qui ferait son marché. Il faut avoir un énorme marché pour pouvoir se nourrir. Un jour, on va être dans le romantique. Après, on va avoir envie de plus d'austérité. Ensuite, on va avoir une espèce d'exigence couture. Et c'est ces tons-là qu'il faut trouver, que nous, on doit retrouver, mais on doit les filtrer aussi pour que ça corresponde à Monoprix, que ça soit des vêtements portables par toutes les femmes, qu'elles s'y sentent bien. Je reçois ça aujourd'hui. Oui, OK. Il faudrait que je vois avec le reste du tissu. Et ça doit être pour le chaud. Oui. On dit OK ? Oui. D'accord. Moi, je démarre par la couleur. La couleur, pour moi, est synonyme de goût et d'envie. Donc, je fais des gammes de couleurs. J'essaye de traduire ces envies à mes équipes, qui apportent aussi leur sel, leur poivre, comme ça. Et ensuite, on va construire des histoires dans un cadre comme une colonne vertébrale de toute la saison et sur lequel on va venir apporter des images qui va fixer à la fois nos idées, donc notre plat, et on va le proposer aux achats. Sur velours en plus. Oui, oui, j'ai juste des petites cartes. Hein, il est riche en velours, hein. Ouais. Des roses et des oranges. Je mets du rose. Ouais, c'est la réaction qu'il a dû faire avec, je sais pas, le bleu qu'ils ont mis derrière. Le reste est très joli, mais ça c'est voilà, tu transformes dans le bon rose. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment une vision générale de tout ce qu'on va offrir à Monoprix et qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire une patte, un esprit, telle les marques, c'est-à-dire qu'on a une unité de ton et la volonté c'est de fonctionner sur ce registre-là. L'idée c'était quand même d'avoir une gamme tout en douceur. Vraiment assez crémeuse et puis aussi une gamme un peu d'opaline, très très douce quoi. C'est vraiment aussi tout le registre de la lingerie, du maquillage. Donc il faut jouer quand même des finitions dentelles, peut-être plus sur les blouses ou sur les chemisiers. Un côté aussi toujours col, pied de col ou sans col, des formes assez pures. Puis on est aidé aussi par des bureaux de style, des bureaux de conseil, qui sont des tendanceurs pour nous. Donc les tendanceurs, ils nous donnent à la fois un air du temps plus sociologique. C'est vrai qu'en ce moment, on a envie de plus de respiration, on est plus dans le zen, on a envie de spa, de bien-être, parce que c'est aussi en réaction à un monde un peu violent. Donc nous, on s'inscrit là-dedans et on va traduire ça en termes de thème de mode. Ça, c'est un peu des pistes de produits. C'est vrai qu'on aimait bien quand même avoir des choses assez rondes, avoir des petits paletots. Et c'est toujours toutes ces histoires de jeux de poings, même des mailles boucles. On se raconte des histoires parce que c'est bien aussi. Il faut toujours, c'est comme un livre. Il faut que ça nous transporte aussi. Il faut que nous-mêmes, ça nous fasse rêver. Donc, on se raconte des histoires. Alors, on fait énormément de piges aussi dans les magazines qui illustrent ce propos. C'est aussi, je vous dis, c'est un shopping qui est fait ici. C'est des puces. Et puis, on met tout ça sur un board. Un board, c'est un grand panneau sur lequel on livre comme ça toutes nos envies. On les livre. Alors, en termes de couleur, forcément, la couleur, c'est une sensation forte. C'est assez affectif aussi. On le livre en termes de matière, on le livre donc en termes d'image et puis tous les motifs qui nous ont semblé très intéressants. Tout ça est enrichi et c'est vrai qu'au final, on a des boards qui balisent toute notre saison. Mais le travail des stylistes ne s'arrête pas aux boards et aux différentes propositions d'univers, de couleurs ou de tissus. Tout en travaillant déjà sur les saisons à venir, les coordinatrices de style vont suivre les produits et partager leur histoire étape par étape jusqu'au magasin. Par tendance et par thème, mettre une ville parce qu'on trouvait que l'homme était définitivement urbain. D'où l'importance aujourd'hui du merch pour pouvoir traduire quand on va communiquer. On va plus parler en silhouette que... Bon, puis après ça va être le zapping, l'accessoire va être très très important, mais parler d'allure, du bien-aller, et voilà. Un axe qui est des marrons topés, grisés, blanchis. C'est un thème
excessivement élégant où on va promouvoir des matières, il y a une tenue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de favalas, de fétiches, de choses comme ça. On retrouve l'idée de la robe, de la jupe, de l'accessoire. L'idée transversale, c'est aussi faire naître le produit jusqu'en magasin. Et pour pouvoir le faire naître jusqu'en magasin, il y a toute l'image et donc tout le travail que l'on fait avec soit les équipes du merchandising, soit les équipes qui s'occupent du catalogue, soit les vitrines. Et c'est très intéressant pour nous, créatifs, de travailler avec toute cette expertise de métier parce que ça nous permet de pouvoir faire passer l'idée initiale.